Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par l'UmiPlan. Bonjour aussi aux intervenants qui vont nous éclairer sur le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. 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 Donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui de l'information voyageur. Nous allons réfléchir sur les enjeux que représente cette information pour les collectivités et notamment pour les intercommunalités. Nous sommes ensemble pour une heure d'échange. Vous avez à votre disposition un chat qui vous permet à tout moment de poser des questions. Nous essaierons d'y répondre avec nos intervenants au fil de la présentation. Si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons à la fin de ce webinaire, en vous transmettant les réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, nous sommes ensemble pour une heure et je vais commencer par présenter les différents intervenants qui vont nous apporter leur éclairage, leur expérience. Marc Delayet, directeur général des transports publics du Choletais et aussi administrateur délégué de CATP. Bonjour. Bonjour. Laurent Mailleux, vous êtes directeur général d'Ecabus, le réseau de la communauté urbaine de Dunkerque, qui appartient au groupe Transdev. Qui est opéré par Transdev, Oui, oui, tout à fait. bonjour. Bonjour à tous. Et Arnaud Chevalier, vous êtes directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Marc Delayet, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail votre réseau? Alors, bien évidemment, donc Transport Public du Choletais est un établissement public caractère industriel et commercial. Et donc, nous sommes adhérents avec l'agglomération du Choletais d'Agir Transport, qui donc ici un EPIC créé en 2003 pour être à la fois l'exploitant des mobilités, ce qui est un petit peu traditionnel. On verra ce qu'il y a dedans derrière un petit peu plus loin sur l'agglomération, donc qui est une agglomération de 105 000 habitants avec une version très très nouvelles agglos, c'est-à-dire une ville-centre et beaucoup de territoires ruraux et un territoire assez vaste puisque l'agglo s'étend sur plus de 60 km de l'est à l'ouest et donc avec des particularités à ce niveau-là. Mais nous sommes aussi le service mobilité de l'agglomération, c'est-à-dire que nous mélangeons, enfin nous cumulons et nous sommes à la fois opérateurs et AOM au sein des choses. C'était un choix qu'ont fait les élus dès 2003 pour un choix d'efficience pour faisant le choix de la gestion directe, de se dire autant le faire avec le service intégré à ce niveau-là. Et qu'un seul outil, un outil qui est le bras armé de l'agglo pour intervenir à la fois localement, mais aussi dans nos liens avec les partenaires, différents partenaires en matière de mobilité. Alors bien évidemment, on a un réseau de bus historique de bus et de cars avec le réseau Cholet Bus, donc la desserte de la ville de Cholet qui est donc la partie la plus urbanisée qui fait un peu moins de 60 000 habitants avec 32 bus qui sont dans ce réseau central. Et un réseau périurbain qui assure les liaisons sur l'ensemble de l'agglomération et notamment des liens avec la ville-centre. Et là, on a une cinquantaine de cars par des marchés que nous avons avec les transporteurs qui assurent cette desserte. Bon, classiquement, on a eu service TPMR, transport donc de personnes à mobilité réduite et du transport à la demande qui existe également. Et puis, comme beaucoup, nous sommes allés vers une mobilité aussi deux roues, avec un Cholet bus deux roues qui repose à la fois sur des locations longue durée et bientôt sur un service de VAE en libre service. Nous avons une approche en matière de covoiturage avec intégré au réseau. Donc ça nous permet à la fois d'avoir une action sur le temps
c'est-à-dire sur le moment où le réseau ne fonctionne pas, par exemple, mais sur l'espace, avec tous les territoires les plus éloignés dans lesquels nous ne sommes pas en situation d'avoir une offre de transport public classique. Bon, voilà. Et on a une feuille de route sur laquelle on a d'autres services qui vont venir d'ici 2025, puisque bon, sont en projet des services très, des dessertes particulières des zones d'activité avec des véhicules confiés, par exemple, ou des services de voitures en libre service, enfin, de location de voitures partagées, pour les zones les plus rurales, cette fois plutôt, mais également des approches sur du service développement un peu plus important du transport à la demande. Donc, on a vraiment une offre de mobilité complète, on en reparlera tout à l'heure. Et alors, vous avez une autre casquette au titre d'Agir Transport. Est-ce que vous pouvez rapidement nous Oui, rapidement. En fait, Agir, qui est devenu Agir Transport, il y avait la centrale d'achat et on a refusionné les deux. J'ai été président fondateur, en tout cas, avec depuis le début, en 2011, de cette centrale d'achat. Et on est au sein d'Agir Transport, à la fois, qui est une association plutôt créée à l'initiative d'élus locaux qui ont volonté de donner aux collectivités une expertise indépendante et offrir des services et des compétences pour gérer la mobilité sur leur territoire. On est l'une, au même titre que mon collègue Dunkerque avec le groupe Transdev, on est l'une des composantes de l'UTP. Moi, je suis un des vice-présidents de l'UTP à ce titre-là. On a une action qui tourne autour de l'assistance, avec nos experts comme un retour de ressources externes, de la formation. Nous sommes organismes de formation et donc on a un catalogue assez large qui s'adresse à la fois aux opérateurs et aux autorités organisatrices, des pratiques là aussi entre les élus agents ou les opérateurs dans tous les domaines, et puis la centrale d'achat donc qui est un depuis une dizaine d'années qui a eu fêté ses 10 ans en septembre dernier, et donc qui est une solution pour permettre aux collectivités et aux établissements publics d'acheter de façon plus simple, plus rapide, moins cher et plus qualitatif tout ce qui touche autour du transport public, donc à la fois les autobus, le matériel roulant, mais tous les logiciels ou les vélos, des choses qui sont en matière de mobilité. Et donc, nous représentons sur l'ensemble d'Agir Transport aujourd'hui 455 adhérents en France métropolitaine, comme dans les territoires ultramarins, et même on a un adhérent suisse dans le dispositif également. Et les achats commencent aussi à sortir un peu du cadre d'intérêt. D'ailleurs, par l'Umiplan, par la filiale Eures qui a été commercialisée en Suisse. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai, c'est la première vente à l'export de la CATP, c'est vrai. La première réelle, voilà. Parce qu'il y a eu d'autres choses indirectes, mais en tout cas, oui, c'est ça. On est ravis. Voilà. Nous aussi. Merci de cette présentation. Laurent Mailleux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le réseau de Dunkerque Decabus? Oui, quelques mots d'abord sur l'agglo, sur Dunkerque et la communauté urbaine de Dunkerque. Donc pour situer Dunkerque et la communauté urbaine de Dunkerque, c'est tout le littoral du département du Nord, finalement, donc de la Belgique à l'est jusqu'au Pas-de-Calais à l'ouest. Donc, c'est une vingtaine de communes aujourd'hui regroupées autour de Dunkerque, ville-centre. Donc, la communauté urbaine de Dunkerque, c'est environ 200 000 personnes et la ville-centre est autour de 100 000 personnes. Le réseau, il a été complètement repensé en 2018. Donc, c'est un réseau quasiment tout neuf. On en parlait tout à l'heure avec Marc. Il a la particularité d'être un réseau gratuit à 100% depuis le 1er septembre 2018. Et on l'a également boosté pour accompagner la mise en œuvre de cette gratuité, puisqu'on a désormais 5 lignes à fréquence 10 minutes, donc avec une offre, on va dire, qui est conséquente et qui est facile d'accès à tous. L'idée était effectivement de mettre en place un triptyque décidé par le président de la communauté urbaine, qui était gratuité, qualité, convivialité. Donc on tient à avoir des transports gratuits, de qualité, fréquents,
avec de nombreux équipements embarqués, mais je pense qu'on va y revenir dans quelques minutes. Et puis, c'est un réseau qui marche bien, puisqu'on a eu la bonne, je ne vais pas dire une surprise, mais en tout cas la nouvelle en fin d'année 2021, de savoir qu'on avait presque atteint notre objectif de doublement de la fréquentation par rapport à avant la gratuité. Donc, avant la gratuité, on était à un peu plus de 9 millions de voyages. Et fin 2021, on est à 18 millions. Donc, on y est presque malgré la crise sanitaire. On a réussi à booster la fréquentation à chaque fois que les restrictions s'allégeaient. Quelques indications peut-être sur la partie qualité hein, que j'évoquais. Si on a lancé une grande enquête de satisfaction auprès de nos usagers, effectivement, ils sont à 93% à être satisfaits de ce qu'on leur propose. Donc, il y a encore une petite marge d'amélioration, mais on peut être satisfait en tout cas de la reconnaissance que nos clients nous ont témoigné au travers de cette enquête. Et puis, un petit mot rapide sur les qui nous occupent, puisqu'on a encore un réseau en projet et en développement. Tout d'abord, une partie transport à la demande hein, qui vient d'être annoncée par le président de la communauté urbaine et qui vise finalement à horizon 2023-2024 d'avoir un service de transport à la demande ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les publics pour permettre à chacun de se déplacer en complément du réseau de transport. Hein, Dunkerque qui est une zone plutôt urbanisée, mais on a quelques communes en périphérie qui ne bénéficient pas des lignes à 10 minutes. Et l'idée, c'est d'avoir un accès pour tous, donc à la mobilité. L'autre projet qui va également donc nous motiver pendant les mois et les années à venir, c'est l'hydrogène, puisque ça a été annoncé également il y a quelques jours, donc un appel à candidature pour faire en sorte qu'on ait une ligne à hydrogène, donc à horizon également fin 2023, début 2024. Donc un réseau qui reste, on va dire, en développement permanent. Merci. Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de l'Umiplan dans le domaine de l'information voyageur et du transport en général? Oui, bah très, très, très volontiers. L'Umiplan, c'est une PME française qui fabrique, qui conçoit des solutions d'information voyageurs. Donc, ce sont des solutions made in France, que ce soit pour les véhicules, à l'intérieur des véhicules ou aux arrêts. Voilà, ce sont des solutions qui sont conçues, qui sont développées, qui sont fabriquées alors soit à Nantes, soit à Grenoble. Et pour vous donner quelques chiffres, c'est une entreprise donc de 250 personnes qui réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et qui est présent dans une vingtaine de pays. Et l'Umiplan fête cette année ses 50 ans. Donc c'est une année importante de maturité. Et effectivement, nous sommes un expert en solutions d'information en temps réel. Alors, c'est aussi notre spécificité et je pense ce qui a aussi enrichi on va dire notre vision. C'est d'être sur différents domaines. Donc, évidemment, sur le domaine du transport, hein, puisque Numiplan est numéro un en Europe du Sud avec plus de 200 réseaux de transport et également numéro un en France. On équipe partiellement ou totalement en solution d'information voyageurs plus de 80% des 50 plus grands réseaux urbains de France. Mais également, on travaille beaucoup avec les intercommunalités et les communes sur la thématique de l'information citoyenne en équipant les communes et de panneaux d'information lumineux que vous pouvez voir sur la voie publique et également d'applications mobiles pour les communes. Ce qui fait de nous aussi le leader français sur ces sujets-là. Et puis troisième, on va dire troisième activité également importante, c'est toute l'information en temps réel sur les domaines skiables dans le monde. On est numéro un mondial et on équipe 90% des 100 plus grandes stations dans le monde. On est également très présent aux USA. Et là aussi, l'information en temps réel est extrêmement importante sur les domaines skiables et les mêmes vitales. Et donc, c'est très intéressant en fait d'être sur ces trois métiers-là,
qui en fin de compte ont un point commun, c'est l'information en temps réel. Mais évidemment, on va en reparler un peu plus au cours de ce webinaire. Merci, merci pour ces précisions. Et donc, vous pouvez voir ici le sommaire de nos échanges. Nous allons d'abord parler de la mobilité, faire un petit point sur cette compétence qui s'est élargie vers de nouvelles intercommunalités, notamment les communautés de communes. Nous aborderons ensuite le thème de l'information voyageur, voir comment mieux informer les voyageurs pour faciliter leur déplacement. Nous nous interrogerons aussi sur l'information locale, la manière dont elle peut s'intégrer et avoir sa place auprès de l'information voyageur. Et puis nous aurons à la fin de ces échanges, un moment de discussion avec un jeu de questions-réponses avec ceux qui souhaitent en savoir davantage sur l'exposé qui aura été effectué lors de ce webinaire. Donc, commençons tout de suite par aborder le sujet de la compétence mobilité qui a effectivement été élargie récemment aux communautés de communes avec un principe qui a été guidé par plusieurs éléments. D'abord, une refonte de la gouvernance de la mobilité et avec une nécessaire coopération entre AOM. Ensuite, la prise en compte de la mobilité dans l'ensemble de ses formes, à la fois transport en commun, circulation douce. L'autre point important, c'est la cohérence avec les impératifs climatiques et environnementaux qui ont motivé cette réflexion. Il y a aussi une réorientation des investissements au niveau de l'État. Et puis enfin, pour parler plus particulièrement information voyageurs, une adaptation aux évolutions rapides qu'a connu le secteur des transports, avec notamment l'arrivée de nouveaux outils, applications mobiles, open data, renforcement de l'interopérabilité, et tout ça nécessite une nouvelle approche. Et bien sûr que ça va être au cœur de la discussion que nous avons aujourd'hui sur l'information voyageur et la manière dont ces outils numériques peuvent contribuer à une meilleure information de l'ensemble des voyageurs. Donc, à l'échelle des intercommunalités, notamment des communautés de communes, il y a sans doute parmi vous des responsables mobilité au sein de ces intercommunalités. Ce transfert de cette acquisition de nouvelles de la compétence déplacement mobilité, c'est à la fois un moyen d'avoir la main sur l'ensemble des services liés à la mobilité. C'est aussi une façon pour les territoires de soutenir leurs projets à l'échelle intercommunale en proposant une meilleure desserte. Et puis enfin, c'est une façon de proposer des services qui soient en meilleure adéquation avec les besoins particuliers des territoires. Alors, voilà ce qu'offre cette nouvelle compétence. Elle implique aussi une nouvelle responsabilité, celle de mieux informer les voyageurs, les habitants, les touristes, les cyclistes, d'une manière générale, en fait, d'améliorer cette information auprès des usagers des différents modes de transport. Et donc, c'est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, de vous fournir des éléments qui peuvent vous orienter dans les choix que vous avez à faire dans le cadre de cette nouvelle responsabilité. Alors, Marc Délayé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les politiques de mobilité? Comment l'information voyageur, quel est le rôle finalement de l'information voyageur dans les politiques de mobilité? Alors, on ne vous entend pas, Marc. Le micro, donc on ne pouvait pas m'entendre, d'accord. Ce qui est tout à fait logique pour éviter les bruits parasites éventuels. Non, ce que je disais, c'est qu'effectivement, à travers quelques prismes, on va essayer de voir ce que ça veut dire
l'information voyageur qui doit être mise en place par rapport à tout ce cadre-là. Alors, bien évidemment, les politiques de mobilité à l'échelle locale sont d'abord un enjeu social, économique et environnemental évident. On parle d'insertion, on parle d'accès à l'emploi, on parle d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, accès au loisir. Enfin, tous ces données-là font que il y a une nécessité de mettre des politiques de mobilité. Alors, la LOM qui a mis en place ces nouvelles, la possibilité, puisque c'était une compétence optionnelle pour les communautés de communes qui étaient un petit peu en dehors des communautés d'agglomération ou autres métropoles, finalement, ont eu le choix de soit de prendre elles-mêmes, soit de laisser la région piloter ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que n'importe comment, l'enjeu, il est de partout, mais on a des effets géographiques. En Pays de la Loire, quasiment toutes les communautés de communes se sont saisies de cette possibilité-là. Si on va dans d'autres régions, on se rend compte que c'est le contraire. Ils se sont dégagés vers la région. Donc, ça veut dire quand même, dans les deux cas, quel que soit l'enjeu qu'on vient de voir, il faudra bien prendre en compte tout ça. Ensuite, on a vécu dans les agglomérations notamment, qui ont une antériorité pour piloter, ou dans les villes même, qui étaient encore plus anciennes pour mettre en place des politiques de transport, le bus n'est plus le seul mode. Et donc, il y a eu des évolutions autour du transport avec des véhicules motorisés pour faire du transport pour les personnes à mobilité réduite, du transport à la demande avec des minibus, voire avec des voitures selon les territoires, avec le recours à des taxis, enfin bref. Et petit à petit, on est allé vers ce qui est du véhicule partagé, vers du deux roues, vers un ensemble de modes qui font que on n'a plus qu'un seul, on n'a plus uniquement un seul mode qui est présent, mais un ensemble de modes. Donc, en matière d'information, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et dernier point sur cette à l'échelle locale, c'est la gouvernance. Alors, bon, dès lors qu'on se saisit de cette compétence quand on est une communauté de communes, ou dès lors que l'on l'a, il y a des enjeux de coordination, de chaîne de valeur aussi, comment on laisse les acteurs, et donc les nouveaux acteurs qu'on voit de temps en temps venir dans les territoires, venir un petit peu perturber la chaîne de valeur, n'avoir qu'une vision étriquée, peut-être, qui n'est pas forcément en adéquation avec le service public. Donc il y a aussi une nécessité de contrôle, et en termes d'information, c'est aussi ça. C'est que l'information, la gouvernance en matière d'information est aussi essentielle. Et dernier point là-dessus, c'est que la coordination est aussi importante, parce que si le territoire, on en parlera un petit peu plus loin, mais si le territoire dans lequel il y a une compétence en matière de mobilité est bien définie, la population n'est pas forcément complètement en adéquation avec le territoire uniquement, et donc il y a des nécessités de coordination en la matière. Le changement climatique est devenu quelque chose d'incontournable également. On parle bien sûr de la nécessité de s'intéresser au transport public, puisque le transport est un tiers des émissions. Transport public, ça n'est que moins de 10%. Donc, on voit bien que ça n'est pas 10% des 30%, ça ne fait pas grand-chose. Hein, on a quelque chose qui nécessite. N'empêche qu'on parle de transport public, et donc on met le transport au centre de préoccupation. Et pourtant, il y a une forme de paradoxe, puisque les ressorts territoriaux sont devenus de plus en plus vastes, la population, il y a eu de l'étalement urbain, du desserrement, et qui font que on génère des déplacements qui nécessitent des réponses différentes. Et donc en matière d'information aussi des réponses différentes pour pouvoir avoir une information la plus globale. Les différentes contraintes qui sont
à intégrer également, c'est des territoires administratifs qui ne sont pas cohérents avec les bassins de vie. Alors, pas de partout, mais c'est vrai que c'est assez, assez souvent que par l'histoire, par les frontières qui peuvent être aussi administratives, on passe d'un département à l'autre, voire d'une région à l'autre, et qui font que le bassin de vie est difficile à intégrer. La LOM a donné quelques solutions. On va voir, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais on verra bien ce que les contrats opérationnels de mobilité à travers les bassins de mobilité pourront donner comme source d'évolution. Mais n'empêche que le rôle de la région qui va être de coordonner un petit peu tout ça et les nouveaux territoires qui débarquent là-dedans, il va bien falloir trouver ces choses un petit peu plus cohérentes les unes entre les autres et ne pas se cantonner à son propre territoire. Alors ça, ça aussi, le fait qu'il y a parfois des actions qui sont très longues. Si on réouvre une ligne de chemin de fer, par exemple, qui traverse plusieurs territoires, le temps politique, il va être beaucoup plus court que le temps technique, le temps de se lancer, etc. Et souvent, ça peut être un frein. On veut voir se réaliser des choses et la projection dans l'avenir est souvent un petit peu plus compliquée. Je ne parle pas, on l'évoquait tout à l'heure avec Laurent en avant ce truc-là. On voit bien, le MEDEF vient de parler de ressources à remettre en cause autour du versement mobilité. Il y a une nécessité là qui ne sont pas vraiment de pouvoir intégrer le fait que il y a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner et donc il y a une nécessité de remettre le transport public au centre des préoccupations. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on mène à la fois à l'UTP ou au GIE Transport Public que je préside, c'est de remettre le transport public au centre des préoccupations de la lutte contre le changement climatique. Et donc ça, il va falloir bien affirmer cela. Et dernier point pour en revenir à l'information, voilà, il y a une nécessité absolue d'avoir une information pertinente. Ça veut dire quoi une information pertinente ? Ça veut dire que il faut du temps réel, mais il faut que l'information théorique soit bonne aussi, et qu'il y ait un décalage, il faut pouvoir gérer le décalage, mettre en confiance. Et donc, il y a une nécessité que sur la façon dont on met du théorique, du réel, les choses soient alignées, puissent se corriger, mais soient cohérentes, là encore. Il faut qu'elles soient pertinentes, que le contenu soit adapté. Parfois, nous, les techniciens, on a tendance à vouloir mettre plein de choses et ce n'est pas ce que les gens attendent. Et il y a parfois, on est un peu techno, hein, on va dire, et donc il faut arriver à habiller les choses. Et c'est une des. Je me rappelle, et je ne sais pas si c'est toujours quelque chose qui est mis en avant par l'UIPLAN, mais c'était les designers de l'information. C'était quelque chose d'important. C'était une mise en perspective qui est aussi importante que le fond, mais la forme aussi. Et puis précise, je pense que là-dessus, on a une nécessité d'avoir une approche la plus précise possible. On l'a évoqué plus haut, mais il faut aussi qu'on sache dépasser le cadre de son territoire et pouvoir avoir des liens, un minima, qui permettent de faire le lien avec le territoire d'à côté, ou le territoire, donc le rôle de la région va certainement avoir des choses à faire, et donc il faut pouvoir décliner et se mettre en relation, ça veut dire parler avec les autres. Voilà, l'outil, incorporer un certain nombre de choses et pouvoir les mettre avec les évolutions que l'on peut avoir dans les territoires d'à côté. Et multimodal, on l'a évoqué tout à l'heure, on fait plus que il n'y a pas que du bus maintenant, il y a plein de choses, donc il faut pouvoir être aussi dans une approche multimodale. Les évolutions autour du MAS sont une piste de travail qui est bien entendu en ce moment en train de se mettre en place. Ce qui veut dire aussi que la performance, elle est à la fois dans les supports, plusieurs supports, multi-supports. On est dans le théorique, hein, ça part du papier. Le papier reste une réalité, hein. Il y a ce besoin-là, le papier préalable, le papier affiché et un certain nombre de choses autour de cela.
mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de la, des applications, du site internet, des réseaux, des bornes d'information voyageurs, qu'elles soient au sol ou embarquées. Et toutes ces choses-là doivent être là aussi cohérentes, mais spécifiques. On ne met pas toute la même information au même endroit, et il y a une nécessité d'être performant dans cette chose-là et de pouvoir avoir se poser une question forte et d'avoir des outils pertinents en la matière. La cohérence, elle est aussi à travers quelle information on transfère d'un réseau à l'autre, qu'est-ce qui est important. L'arrivée d'un train sur un territoire, si on peut avoir une information qui vient au moment où le bus passe à proximité, des choses qui sont en train de se développer et qui nécessitent d'avoir ces approches-là, mais ça va aussi, comment je viens sur votre territoire, moi qui suis dans l'une des communautés de communes les plus lointaines, un peu avec une offre très limitée, mais il faut que je puisse avoir cette chose-là. Donc l'information, elle va être au cœur de pas mal de préoccupations pour pouvoir donner du sens à tout ce qui est en matière de contenu et de rapprocher avec l'offre qui est faite et d'être cohérente et coordonnée. Voilà un peu une première approche qu'on pouvait faire autour de ce sujet. Ben, très bien, vous avez justement évoqué la nécessité d'avoir une information voyageur performante et pertinente. Nous allons voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de diffusion de l'information voyageur? Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit après les propos de Marc, c'est que l'information voyageur, effectivement, c'est un processus de plusieurs étapes. Alors, le premier, mais on va passer brièvement dessus, c'est ce qu'on appelle le graphicage habillage. Vous avez cité Eures avec un marché remporté en Suisse via la CATP. En fait, voilà, Eures, c'est notre filiale qui fait du graphicage habillage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la modélisation en fait du réseau de manière à ce qu'on puisse derrière concevoir une offre rationalisée. Donc c'est un prérequis finalement à la récupération de l'information en temps réel via le système d'aide à l'exploitation qu'on appelle SAE. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur cette partie de récupération de l'information en temps réel, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cet accès au temps réel, pardon, j'ai un chat dans la gorge, se normalise et se démocratise. Et donc, ce qui était jusqu'à présent plutôt réservé aux gros réseaux urbains, finalement, devient accessible à l'ensemble des réseaux en France, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs moyens techniques et financiers. On est vraiment là dans une grosse tendance lourde du marché, c'est la démocratisation de ce temps réel, qui est évidemment une des composantes fortes au-delà du temps théorique, pour inciter les habitants à utiliser les transports en commun. Donc, c'est cette première étape forte de récupération. Elle est là, elle est valide techniquement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, vient se poser la question de la restitution de cette information aux voyageurs. Et là, effectivement, Marc, vous citiez les différents supports, que sont le site internet, le smartphone, les écrans physiques, et également les annonces sonores, hein, faut pas oublier, pour les malvoyants. Donc, ce sont des dispositifs techniques qui finalement permettent de restituer la donnée qui a été collectée aux voyageurs. Et bien sûr, en ayant à l'esprit qu'il y a deux cas de figure, hein, il y a les voyageurs qui préparent leur trajet, et puis il y a ceux qui sont en mobilité. Donc évidemment, ce n'est pas le même type d'information, ce ne sont pas les mêmes supports, ce n'est pas la même stratégie. Nous verrons un petit peu plus tard qu'il y a des nouveautés, que ce soit en termes technologiques et également en termes d'usage. Il y a des nouveautés sur notamment les écrans physiques, hein, sur l'ensemble des dispositifs qui permettent la restitution des données. Il y a pas mal de nouveautés à vous faire part sur la partie écran physique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail les différents types d'écran qui constitue l'information voyageur?
Oui, alors sans surprise, hein, il y a ce qu'on pourrait appeler les écrans basiques qu'on va retrouver à l'intérieur des véhicules. Donc, ce sont les girouettes, c'est l'image en haut à gauche ou les bandeaux lumineux à l'intérieur des bus. Donc ça, c'est la partie légale. Donc effectivement, on le retrouvera quel que soit le réseau et quelle que soit la stratégie que mettront en œuvre ou bien les exploitants ou bien les AOM. Et puis on retrouvera ensuite. Mais là, ce n'est pas du tout une obligation légale, des afficheurs, des écrans qui seront aux arrêts et également au pôle d'échange. Alors, ce qu'on peut noter sur cette deuxième partie, c'est qu'il y a eu récemment un quatrième appel à projet sur les transports collectifs en site propre par l'État avec un budget, une enveloppe de 450 millions d'euros. Donc, il y a une vraie volonté de la part de l'État de favoriser l'information. Puisque dans cet appel à projet, il y a eu une exception par rapport au précédent, c'est l'ajout des pôles d'échange multimodaux. Qui dit pôle d'échange multimodaux dit bien évidemment dispositif d'information voyageur en temps réel, puisqu'on est sur des nœuds, et évidemment là, l'information a un caractère stratégique fort. Donc on voit bien qu'il y a une tendance importante à favoriser la diffusion également de l'information voyageur au-delà des projets évidemment d'infrastructure. Alors, au-delà des écrans basiques, il y a aussi les écrans multimédia. Oui, exact. Alors, c'est vrai que c'est dans cette famille-là que les innovations technologiques et d'usage sont les plus fortes. Ça va concerner, alors aussi bien là, on voit à l'image un écran à l'intérieur d'un bus, mais ces innovations vont concerner également des écrans qui vont être mis aux arrêts de transport. Donc là, on a une première innovation technologique qui est très forte, c'est l'autonomie. En fait, l'autonomie pour une borne d'information voyageur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'autorité organisatrice de la mobilité, c'est la capacité d'aller démultiplier l'information voyageur sur des arrêts qui n'auraient pas été équipés, puisque le coût d'installation aurait été trop important en regard de la fréquentation des arrêts. Et l'autonomie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous vous affranchissez totalement du coût fort lié au génie civil, au raccordement au réseau, etc. Vous n'avez qu'à acquérir finalement la borne. Ce sont des prix qui sont tout à fait modestes parce que généralement, le coût d'installation est supérieur au coût d'acquisition. Et donc cette autonomie-là, elle est vraiment importante à la fois sur le raccordement et sur la connexion également à la donnée grâce à une connexion 4G qui va venir s'interfacer à une plateforme. Et donc vous avez une latitude très importante lorsque vous êtes une autorité organisatrice de mobilité de venir équiper des arrêts ou moins desservis, donc c'est-à-dire que les temps d'attente sont plus longs, donc cette information est d'autant plus précieuse, et donc vous pouvez tout à fait venir maintenant équiper ces arrêts-là. Donc ça, c'est une première innovation qui est très très forte, et vous voyez sur l'image en bas à droite, c'est une borne d'information voyageur autonome qui utilise la technologie e-paper. Alors qu'est-ce que c'est que la technologie e-paper? C'est comme les liseuses, c'est de l'encre électronique et ça permet d'avoir en fait un affichage là multimédia, même s'il est noir et blanc avec des niveaux de gris, il n'est pas forcément en couleur, mais on est dans du multimédia. On peut y ajouter des pictos, on peut y ajouter des images du coup, ça permet évidemment d'avoir une information voyageur beaucoup plus riche. Et vous avez donc sur cette photo la première borne information voyageur autonome e-paper du marché. Parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas. Il faut bien se rendre compte que l'autonomie et le temps réel font mauvais ménage. Puisque qui dit temps réel dit processus de rafraîchissement régulier. Et donc dit bah, j'entame évidemment l'autonomie des bornes. Chez Lumiplan, ça fait 25 ans qu'on travaille à la gestion de cette autonomie et on a réussi depuis peu à mettre sur le marché des bornes totalement autonomes qui permettent l'affichage du temps réel. Donc ça, je pense que c'est une vraie innovation technologique intéressante à avoir à l'esprit.
Autre innovation technologique, les écrans TFT. Oui, alors là, on est dans une innovation double, je dirais. Ce que vous voyez à l'image, c'est une expérimentation qui a été mise en place en septembre 2021 avec Île-de-France Mobilité. Ce sont des vitres communicantes. En fait, ce sont des vitres qui viennent s'intégrer dans les parois, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc là, on a une première innovation, évidemment, technologique forte. Et la seconde, c'est que Île-de-France Mobilité s'est dit que c'était un bon moyen de diffuser des informations qu'on va appeler marketing, c'est-à-dire que ce ne sont pas des informations habituelles mises dans les bus qui sont le thermomètre de ligne et le prochain arrêt, mais ce sont des informations de communication finalement de l'exploitant et également de l'autorité organisatrice de la mobilité. Voilà, donc ça a été un projet qui s'est inscrit dans tout un tas d'innovations lancées par Île-de-France Mobilité. Ça a été inauguré par Valérie Pécresse. Et on voit bien en fait qu'il y a une première tendance qui est de se dire l'information voyageur, ce n'est pas qu'une information totalement technique et le prochain arrêt, etc., quels sont les arrêts suivants, mais c'est aussi donner des informations pour quelque part venir augmenter le niveau de service. Hein. Marc, vous en avez parlé, je pense que Laurent également, vous avez dit que la qualité fait partie, l'attractivité fait partie, on va dire, des leviers pardon, importants pour que les habitants utilisent les transports en commun. Voilà, typiquement, on est dans cette démarche-là qui a été lancée et qui est déployée dans une quinzaine de bus de différents exploitants de la région francilienne. L'information voyageur, c'est effectivement un nouvel enjeu local. Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment trouver l'équilibre entre le SAE et l'information voyageur? Oui, alors bon, là, vous voyez peut-être un schéma avec des acronymes un petit peu barbares pour ceux qui ne sont pas familiers. Alors, on peut peut-être rappeler, hein, donc SAE, c'est le système d'aide à l'exploitation, et IV, c'est information voyageur. En fait, ce qu'on est en train de constater, c'est que le poids de l'information voyageur a augmenté. Historiquement, l'information voyageur, elle a été en fait disponible à des fins d'exploitation. Donc, c'est vraiment dans une logique de SAE, système d'exploitation, que le temps réel a été, on va dire, récupéré pour mieux exploiter un réseau. Et historiquement, les exploitants se sont dit, bah, puisque l'information voyageur, on l'a à des fins d'exploitation, autant la mettre à disposition des voyageurs. Finalement, cette approche-là est une approche très technique et l'information voyageur était pilotée par le système d'aide à l'exploitation. Aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme. L'information voyageur se pilote par des systèmes qui sont vraiment spécialisés et on n'est plus en train de se dire que c'est ce qui est central, c'est le SAE. Le SAE est un moyen très important, bien sûr, mais n'est qu'un moyen au service de l'information voyageur. Donc, on a un petit peu inversé la logique. Alors, pourquoi l'information voyageur devient de plus en plus au cœur des stratégies, ben finalement, c'est parce que l'information voyageur, ça se voit. Et c'est parce que ça se voit que du coup, c'est peut-être la partie la plus importante à mettre, on va dire, à penser, à appréhender. Parce qu'en plus, elle rend beaucoup de services. Hein. Déjà, elle rend visible les investissements. Vous pouvez dépenser des millions d'euros dans du SAE. Ça ne se verra que très peu. En travaillant l'information voyageur, en déployant des écrans, finalement, vous rendez visibles ces investissements techniques qui ont été faits. Puis, évidemment, c'est utile, hein, l'information voyageur, c'est utile pour prendre des décisions, ça rassure. Marc, vous employez le terme tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Et puis, bien sûr, au-delà de tout ça, ça va favoriser l'utilisation des transports en commun. Et bien sûr, et ça, c'est une partie qui est de plus en plus importante, je pense, c'est de créer du lien au quotidien avec les voyageurs qui sont aussi des habitants. De créer du lien, l'exploitant va créer du lien, mais aussi l'intercommunalité, finalement, va pouvoir créer du lien dans le quotidien des habitants.
Et ça a beaucoup d'intérêt. On va en reparler évidemment un peu plus ultérieurement. Alors nous allons aborder maintenant la troisième partie sur les nouveaux contenus qui peuvent être diffusés via les écrans voués à l'information voyageur pour offrir un voyage augmenté à l'ensemble des usagers. Laurent Maillot, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous apporter votre témoignage sur ce qui a été réalisé à l'échelle de votre réseau, et notamment en matière d'offres d'emploi géolocalisées? Oui, bah pour rebondir sur ce qu'évoquait Arnaud, c'est vrai qu'aujourd'hui, les écrans permettent et dans la modernisation du réseau que j'évoquais en introduction en 2018, l'idée, c'était vraiment de se doter de ce type d'écran pour apporter de l'information pertinente pour toutes les raisons qu'a évoquées Marc, et je souscris à 100% à ce qui a été dit, mais aussi pour apporter du service supplémentaire. Et donc, sur ces écrans, on a eu la volonté tout d'abord de faire un test avec une structure locale qui s'appelle Entreprendre Ensemble, à l'occasion d'un salon des alternants qui s'appelait DecaJob. Donc, pendant la durée de ce salon, pendant, on va dire, la quinzaine qui était autour de ce salon, l'idée, c'était de diffuser des offres à destination, donc des jeunes qui étaient en formation en alternance. Et ça a eu un beau succès. Alors, au début, c'était effectivement assez artisanal. Et la volonté, ça a été de se dire que ce service qu'on offrait à des jeunes, il pouvait être très utile sur l'ensemble de l'agglomération pour tous les types de populations qui peuvent prendre le bus. Et puis, à Dunkerque, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a beaucoup de gens qui prennent le bus et tout le monde connaît quelqu'un, souvent, qui recherche un emploi. Donc, on s'est dit que c'était un bon support à développer. Donc, on a travaillé avec cette structure pour généraliser la diffusion des offres d'emploi dans les bus, qui est une diffusion particulière puisqu'elle est géolocalisée. C'est-à-dire que quand on approche d'un arrêt, vont s'afficher les annonces qui sont en lien avec le périmètre géographique de l'arrêt, ce qui permet à chacun d'identifier à la fois les postes disponibles, mais aussi le moyen de s'y rendre, puisqu'on sait sur quelle ligne on se trouve et on sait quelles lignes sont en correspondance donc sur cet arrêt spécifique. À aujourd'hui, c'est quand même un succès dont on doit encore caler, on va dire, nos indicateurs hein, de mesures, mais quelques chiffres quand même. C'est à aujourd'hui, il y a 75 offres au moment où on se parle qui sont diffusées donc dans les écrans de nos véhicules, et on a plus de 250 offres qui ont été diffusées en 6 mois, puisque la généralisation de ce dispositif a été réalisée en milieu d'année 2021. D'accord. Ben, merci pour cette présentation et ce partage d'expérience. Alors, selon vous, quelles sont les informations locales que l'on peut communiquer via ce média? Est-ce qu'on peut diffuser tout type d'informations? Alors, en tout cas, on peut diffuser énormément d'informations, et une partie de la limite, c'est finalement les freins qu'on peut se mettre. Moi, je crois beaucoup en ces écrans pour lutter finalement contre le smartphone. C'est-à-dire que ça permet d'interpeller à partir du moment où on a effectivement de l'image, et notamment de l'image vivante, que ce soit de la vidéo ou de l'animation. À un moment donné, on va aller regarder l'écran pour avoir de l'information sur son trajet, et puis on va être interpellé par autre chose. Et cette autre chose, alors nous, on l'utilise pour plein de choses, plein d'informations liées au territoire, qui peuvent être les résultats des clubs sportifs locaux, et on en a de premier plan. Ça peut être pour des campagnes citoyennes, hein, on l'utilise avec Unicité pour faire des recrutements de jeunes en service civique. Ça peut être pour diffuser des politiques locales, je pense notamment à une nouvelle politique pour les déchets. On s'est appuyé sur ces écrans et sur ces vidéos voilà, pour expliquer les transformations qui étaient en cours. Donc, on a la possibilité à la fois de passer de l'information pertinente pour les gens, qui est utile dans leur quotidien,
Et puis, on a l'occasion aussi d'utiliser ça plus sur une dimension convivialité, comme je l'évoquais, hein, dans notre fameux triptyque, gratuité, qualité, convivialité. C'est-à-dire que ces écrans peuvent venir en appui d'animation qu'on va faire dans les bus, que ce soit à l'occasion du carnaval, d'Halloween ou d'autres animations autour d'un événement sportif. Je pense évidemment à Dunkerque, ville étape du Tour de France, donc en cette année 2022. Donc ce sera l'occasion de s'appuyer également sur ce support-là. Alors, à la fois pour la collectivité, mais aussi pour les usagers, quels sont les avantages de ce nouvel usage du média existant? Ben, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de monde prend le bus, hein, près de 18 millions de voyages en 2021, donc ça permet de toucher une grande partie de la population. Ça permet de toucher des gens qui peuvent relayer l'information et puis ça permet de les toucher à un moment donné où potentiellement ils sont disponibles. Alors il faut vraiment lutter avec le smartphone, hein, ça, quiconque prend les transports le constate, mais encore une fois je pense que le fait d'avoir ces écrans multimédia qui permettent de mettre en avant de l'image animée, de diffuser des messages, alors ensuite il faut que le message soit bien calibré, qu'il soit pertinent également dans le service qu'il peut rendre aux voyageurs. Mais en tout cas, moi je crois beaucoup que ça permet d'interpeller à un moment donné où bon, on est plutôt disponible pour recevoir une information. Et puis, bah, effectivement, pour le voyageur, si on a bien calibré cette information, ça lui permet de lui apporter un service qu'il n'aurait pas forcément eu le temps parce qu'il n'aurait pas forcément lu le journal local, par exemple, ou qu'il n'aurait pas bien compris. Là, on peut avoir une démarche peut-être plus pédagogique au travers de l'image pour lui expliquer un certain nombre de choses. Alors, quelles sont les perspectives à l'avenir? Comment voyez-vous à l'échelle de votre réseau la façon dont l'information voyageur peut évoluer dans l'avenir? Mais si vous voulez, ce troisième pan, hein, de notre politique, la convivialité, elle a été fortement mise à mal par la crise sanitaire. Alors pourtant, on est un territoire qui aime ça, hein, la convivialité, là, sur Dunkerque, avec le carnaval, mais pas que. Et ça nous a poussé à d'autres manières d'animer les bus, hein. Aujourd'hui, quand on animait les bus, en général, on avait des intervenants qui venaient, qui permettaient d'échanger avec les voyageurs, de diffuser des supports, etc. Mais ça reposait essentiellement, on va dire, sur de la présence humaine et sur le bus en tant que décor. Là, l'idée demain, c'est de franchir un cap et de multiplier les écrans pour permettre, en fait, immerger dans un support. Alors là, vous prenez l'exemple, hein, que je vous avais évoqué en préparation, qui serait une immersion dans la ville. Par exemple, on a envie demain de se projeter sur un quartier en rénovation. Ça permet en même temps qu'on est dans le quartier, par la géolocalisation, d'apporter des visuels de ce que sera le quartier demain. À l'inverse, on pourrait très bien imaginer un retour dans le passé en diffusant de ce que pouvait être par exemple la place Jean-Bart, qui est vraiment le cœur de ville de Dunkerque, au travers de plusieurs époques. Et puis on peut imaginer complètement autre chose. Demain, on a envie encore une fois d'accompagner le Tour de France. Ça peut permettre de s'immerger dans une course cycliste, par exemple, en utilisant les écrans Screenex en séparation effectivement d'espace dans le bus, mais aussi pourquoi pas de remplacer carrément une fenêtre de bus par un écran pour donner cette sensation d'immersion dans un support. En tout cas, on travaille vraiment là-dessus. C'est ce qu'on appelle notre projet Bus Innovation. Mais encore une fois, il faut y mettre du sens. Et le sens qu'on y voit, nous, c'est d'être en lien avec le local, avec la ville, avec le territoire. C'est ça qui nous semble extrêmement intéressant et important. Et finalement, ça peut être un moment de détente, mais c'est toujours apporter finalement une information qui peut être pertinente aux voyageurs. On n'est pas dans cette logique pour faire de la pub, on est vraiment dans cette logique finalement pour connecter encore davantage le voyageur, le réseau et le territoire.
Une autre perspective pour l'avenir, c'est l'évolution des thermomètres de ligne pour avoir une information augmentée pour le voyageur et lui fournir des informations complémentaires. C'est ça, tout à fait. Et ça, effectivement, c'est un projet dont on a eu l'occasion de discuter avec les équipes de Lumiplan. Hein. On avait vu, effectivement, c'est le visuel qui nous avait interpellé. L'idée, c'est de compléter l'information pertinente hein, qu'évoquait Marc tout à l'heure. C'est de dire, voilà, au-delà de l'arrêt, voilà ce que vous avez à proximité comme point d'intérêt. Et voilà finalement comment vous y rendre. Alors ça peut être soit au travers d'une intermodalité, hein, peut-être le plus simple, la marche, hein, mais ça peut être aussi en connexion, pourquoi pas avec une autre ligne de bus si qui s'y passe. On a un festival de musique qui se déroule tous les ans à Dakar, quand la crise sanitaire le permet. Mais ça peut être d'indiquer au travers de ce thermomètre de ligne, ben, finalement, quand on est dans le bus, quelle est l'étape suivante pour se rendre à ce festival de musique. C'est vrai pour le festival de musique, c'est vrai pour tous les événements qu'on peut rencontrer sur une agglo comme Dunkerque. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique qui incite les gens, encore une fois, à se réapproprier le territoire et de donner des idées de sortie, de mobilité pour les gens, de se dire, bah oui, tiens, c'est vrai, pourquoi pas. Il y a ça qui n'est pas très loin. Peut-être qu'auparavant, ils ne pensaient pas y aller, ils pensaient le trajet compliqué, ou peut-être qu'ils demandaient à quelqu'un de l'emmener en voiture. Bon, bah là, on réalise que finalement, on peut utiliser le réseau pour tout type de déplacement dans l'agglomération. Merci. On comprend bien à travers vos propos l'intérêt pour une collectivité locale de valoriser à la fois ses événements, son patrimoine à travers cette information augmentée. Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous présenter la manière dont finalement ce nouveau média peut s'inscrire dans une démarche de communication publique à l'échelle d'un territoire et d'une intercommunalité? Quels sont les autres outils qui font partie du dispositif de communication? Oui, je pense qu'on peut aussi considérer que l'information voyageur, en fait, ce n'est pas seulement l'information pour les voyageurs dans les espaces de transport, mais qu'on peut aussi penser cette information en tant que dispositif plus global, qui va aller à la rencontre finalement de voyageurs potentiels. Donc, ce ne sont pas encore des voyageurs qui sont dans l'usage, ce sont des habitants qui ne sont pas encore peut-être des utilisateurs, mais en allant à leur rencontre, c'est finalement sans doute aussi un moyen de les attirer dans l'usage des transports en commun, de les convertir ou reconvertir, puisque certains ont aussi déserté les transports en commun qu'ils utilisaient avant la pandémie. Et donc, des dispositifs, évidemment, existent hein, pour aller géographiquement, on va dire, à leur rencontre, donc dans l'espace public avec des panneaux d'information lumineux que vous pouvez voir sur la gauche, ou également des écrans qu'on pourrait qualifier d'écrans de tiers-lieu qui vont aller là où, finalement, les habitants se trouvent. Ça peut être des lieux privés comme publics, hein, et aller leur donner des informations utiles pour la pratique de leur mobilité, finalement, c'est leur rendre service, c'est les inciter à mieux les utiliser. Et donc, globalement, il y a une information voyageur qui doit s'augmenter, je dirais, géographiquement, et puis également de manière éditoriale, en allant donner des informations qui sont des informations multimodales, typiquement avec l'usage des vélos, la mobilité, effectivement, sur un territoire, ce n'est pas que le bus, ce sont d'autres aussi usages, hein, que sont la marche, que sont bien sûr le bus, le vélo, mais tout ça, voilà, si on vient donner une information utile, pertinente, là où les gens en ont besoin ou se trouvent, je pense que c'est là aussi favoriser
l'usage des transports collectifs. Donc, c'est une bonne façon d'aller à la rencontre des habitants avec des dispositifs qui vont être là où ils se trouvent, et pas uniquement aux arrêts ou dans les bus. Alors, techniquement, comment diffuser cette information, où prendre, où collecter les infos et comment les diffuser, sur quel réseau, avec quels moyens techniques est à la disposition des collectivités? Alors, c'est vrai que c'est un élément très important, hein. Finalement, c'est tout ce qu'on raconte, c'est formidable, mais comment on peut le mettre en œuvre? Il y a chez l'Emiplan, notre vision, en fait, est mise en œuvre via une plateforme qui s'appelle l'UmiPlay et qui va à la fois agréger l'ensemble des données, alors les données très métiers qui vont venir des systèmes d'aide à l'exploitation, on en a déjà parlé, mais pas que. Toutes les datas, finalement, qui sont utiles sur le territoire, qui sont des informations de mobilité, mais pas que, qui sont des informations qui peuvent être aussi récupérées depuis les plateformes Open Data que les territoires peuvent mettre en œuvre parfois, voire souvent. Et puis, bah, typiquement, voilà, Laurent, vous en êtes un très bon exemple d'informations citoyennes qui, là aussi, vont pouvoir être agrégées automatiquement pour ensuite être mis en forme par l'UmiPlay, puis diffusées automatiquement, de manière adaptée, pertinente, sur les écrans qui sont à la fois des écrans qu'on va pouvoir qualifier de transport, donc les écrans habituels qu'on va retrouver aux arrêts, dans les bus, etc. Mais pas que. Les écrans que l'on peut qualifier comme des écrans déportés, qui vont aller, eux, à la rencontre donc des habitants, alors que ça soit évidemment par le smartphone, mais dans l'espace public, dans les tiers-lieux, comme on l'évoquait précédemment. Ben, merci à vous tous pour votre contribution à cette réflexion et à cette cette réflexion sur l'information voyageur, son rôle et son intégration dans les politiques de mobilité. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange avec les participants. Une première question a été posée. Elle concerne les mobilités douces. Quelqu'un s'interroge, est-ce que à l'échelle des collectivités, il y a une réflexion qui est menée sur des solutions d'information pour les mobilités douces, les vélos, les trottinettes, où en sont les collectivités de ce point de vue-là? Bon, si je peux commencer. Il y a effectivement des réflexions en la matière qui sont à la fois dans la continuité, dans la chaîne de déplacement de systématiquement intégrer Cipla. Ça rejoint ce qui était montré sur l'exemple à Nantes d'intégrer dans l'information l'accès piéton, enfin des choses comme ça. Il y a à la fois des choses qui commencent à être faites pour mesurer des fréquentations sur les pistes cyclables et de réintégrer ça ensuite à partir de vers une information dédiée sur application pour pouvoir par exemple parler d'encombrement de pistes ou de stationnement aussi de choses comme ça. Et donc il y a des réflexions qui sont intégrées, qui sont pas toutes abouties, loin de là. Et donc je pense que forcément vélo, marche à pied, au même titre que le transport public, ça sera une offre et une réponse et des réponses globales, on le voit bien. Ce qui est important, c'est dans tout ce qui a été présenté, l'équilibre est compliqué. C'est-à-dire que on a une source d'information très importante maintenant on collecte. Ça va aux deux roues, hein, un usage de vélo libre-service, on sait, il y a des datas qui sont collectées. C'est la même chose pour une fréquentation de vélo. On a plein de datas qui commencent maintenant à venir. Alors, dans les bus, c'est des choses qui sont un peu plus anciennes. On voit bien qu'il y a eu des informations sur la fréquentation instantanée.
Dans la ville, il se passe plein de choses et les informations remontent. La difficulté, c'est là où on parle de la pertinence de l'information, c'est qu'est-ce qu'on redonne. Parce que tout donner n'est certainement pas le plus pertinent. Moi, j'ai une expérience très ancienne que l'on a évoquée en préparant ce webinaire. Dans les premiers systèmes d'information voyageurs, qui étaient l'Umiplan déjà, mais sur du télétexte, et mené à La Rochelle à l'époque, où l'information prenait tout. La ville, tout ce qui se passait dans la ville était mis en avant, les horaires de ciné, etc. Alors certes, c'est important d'avoir cet accès à l'information, mais on s'est rendu compte à l'époque, et c'est toujours un petit peu vrai, il n'y a pas très longtemps, on a fait quelques approches en la matière, l'information reste, la lecture de l'information reste relativement partielle. Ça évolue, mais ça reste encore assez partiel. Et donc, finalement, on va chercher l'horaire de ciné, pour rester sur cet exemple, et pas forcément avoir immédiatement l'information de déplacement qui y va avec. On va aller rechercher les choses. Ça commence à évoluer. Mais il faut faire attention de ne pas perdre la pertinence des infos voyageurs, des infos cinéma, pour rester sur ce même truc, et donc de traiter ça. Ce que je trouve intéressant dans l'expérience de Dunkerque, c'est que à partir des offres d'emploi, qui est une consommation, qui est un moment de consommer une information parce qu'on est dans un temps de déplacement, on a du temps disponible pour lire, ça n'est pas mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, certes, on passe et à l'endroit où on passe, donc il y a le déplacement, mais on va titiller quelque chose d'autre et pas forcément avoir un lien complet avec le déplacement et les choses. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est de faire ce lien. Mais ça veut dire, donc ça rejoint ce qu'on a dit au départ, c'est que l'info diffusée doit être pertinente et cohérente et avoir une maîtrise. D'où la nécessité d'une vraie gouvernance également. Parce que agréger plein d'informations, bon, globalement, c'est ce que le net nous propose d'une façon très large, mais si on n'a pas un peu de mise en forme et de tri, on passe à côté de la réalité de la pertinence, hein, vraiment. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec tous les outils qui se développent, qui viennent d'être évoqués par Arnaud, on a les supports. Mais le contenu, il y a une attention particulière à avoir sur le contenu pour être dans une approche pertinente. Et pour terminer sur les modes doux, bien évidemment que l'information arrive, donc elle va pouvoir être mise en forme. Et ce qui est important pour les collectivités et pour les opérateurs, c'est d'avoir une chaîne de déplacement de bout en bout et que les choses soient cohérentes pour délivrer une information pertinente. Pas important de savoir si la piste de l'autre côté de la ville est pleine, mais moi, ce qui est important, c'est de savoir dans mon déplacement si je vais pouvoir avoir accès à un service de vélo libre-service qui est en temps réel. Bah, finalement, il ne reste plus de vélo, donc je ne vais pas pouvoir le prendre. Tiens, il y en a d'autres dans l'endroit, donc je vais corriger mon déplacement. Ça, c'est important que ça s'agrège. Si c'est pour diverser toute l'information, il n'y a pas d'utilité. Peut-être un mot pour compléter et quasiment vraiment illustrer ce que vient de dire Marc. Effectivement, il faut également se poser la question de ce qui est utile à tout le monde et ce qui doit être traité au niveau individuel, affiché sur des écrans dans la ville. Ou dans les bus, en l'occurrence, chez nous, et ce qui doit être diffusé sur une appli par rapport, on va dire, au profil de... Je pense qu'il y a vraiment cette question-là de la pertinence de l'information qu'a souligné Marc, qui est essentielle, c'est-à-dire à qui on adresse la bonne information, puisqu'on peut très vite noyer tout le monde sous des tonnes d'informations dans le bus qui seront finalement complètement inutiles. Mais voilà, réfléchir... si on a un profil effectivement d'intermodalité cycliste, quelles sont les places de parc à vélo disponibles par exemple à la gare, réfléchir à ce qu'on a si on a un réseau avec des vélos en libre service, est-ce que la station est fournie ou pas en vélo, à combien de temps à pied se situe la station vélo d'arrivée de son lieu de destination. Tout ça, c'est des choses qui finalement rejoignent le MAS, hein, qui a été évoqué un peu plus tôt. Ça doit conduire à ça, et avec l'idée de la pertinence d'informations à diffuser à tout le monde et de celle qui est pertinente au niveau de l'individu.
Et je dirais pour conclure, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, c'est qu'effectivement, l'UmiPlay, c'est un outil qui permet justement cette capacité technique, mais au-delà de ça, Marc, vous disiez voilà, que l'UmiPlan était designer de l'information. Et effectivement, il y a deux composantes. Il y a la partie capacité d'agréger des données très utiles et la façon de la restituer de manière pertinente. Voilà. Donc ça, l'UmiPlay plus le savoir-faire du studio, c'est une entité spécialisée chez UmiPlan, fait que on est en capacité d'accompagner pas mal de réseaux ou d'autorités organisatrices sur ces sujets-là. Et dernier petit sujet par rapport à la question sur le vélo notamment. Sachez pour les participants à ce webinaire qui seraient intéressés par le sujet du vélo que nous allons prochainement mettre sur le marché une solution d'information à destination des cyclistes. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de sujet, n'hésitez pas à nous le dire par chat. On pourra revenir vers vous rapidement voilà, si vous êtes en réflexion sur cette thématique-là. Ben, merci. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Donc, merci à vous trois pour la clarté de vos explications et puis vos témoignages, je pense, qui ont permis vraiment d'éclairer la question de l'information voyageur et de ses différents enjeux. Merci à vous tous. Avant de vous quitter, une petite précision. Donc, vous pouvez télécharger cette présentation, hein, elle est disponible sur le site, donc vous pouvez avoir accès à tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Et puis voilà, l'UmiPlan vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à Merci tous. Au à tous. revoir. Bonne journée, au Merci, revoir, bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir.